Vous m'escortez, Dégage, messieurs? Boloche. Dégage, allez. Oui, on y va. Oh, ne crache mais la pas vérité, sur les ça... gens. La vérité. Ça dirait pas de bouger là avec ta vieille tête avant que je t'en plafonne. Mais ma, arrêtez petite... De faire les ma petite copine, tu vois bien qu'il a un problème, ces messieurs-là. Vas-y, viens avec moi. Oui, j'imagine, mais il ne faut pas leur donner. Mais qui pour lancer des moi. Lui, il me prend pour qui? Qu'est-ce que tu vas faire? Baisse ton baguette là. Baisse ton baguette tout de suite là. J'ai déjà dit, j'arrête de frapper là. Est-ce qu'il me parle mal? Regardez, il est obligé de se servir de sa baguette parce qu'il peut pas parler. Parce qu'il peut pas parler, parce qu'il a rien dans le sac. Il a rien dans le sac, c'est une petite vide. Eh tiens, t'es chiant, laisse te plaît, Rotten. Hein. Mais quel chien bien, déjà, tu parles pas comme ça, Joe. Tiens, t'es chiant, laisse te plaît. Non, mais c'est pas un problème avec eux, tu leur parles sans qu'ils me retiennent de mettre une Golden. Y'a rien qui te retient. Je vais te mettre une Golden. Oh, je vais te mettre une Golden, tu m'entends? Les gars, IRL, c'est qui ce mec? C'est un pige, non? Comme un Moldu, on va pas se battre avec les sorts. Arrête tes lunettes, je vais te cracher un peu dessus, là. Oh, eh ben, il y en a un qui est en train de se prendre une fessée. C'est quoi ton prénom, là? Tu mérites même pas d'être un serpentard idiot que tu es. Bonsoir, les garçons. Oui, voilà, bon, je t'explique la scène. Je vous laisse. Vas-y, je t'écoute. Joueur à CRP. En fait, il y a Joe Garcia et son petit... Bon, bah, du coup, Joe, je te laisse parler, je t'écoute. Du coup, en fait, on arrive et en fait, déjà, en fait, c'est comme il a dit lui, en fait, on le connaît pas, ni de trucs, ni de trucs. En fait, irréel ou pas, genre, je vais pas arriver vers toi, Ita, à dire, je commence à t'insulter de parler mal. Dans toute logique, en fait, dans toute personne normale, tu vas logiquement le prendre, comment dire, le prendre, un pouce. Tout simplement. Et juste, le Joe, signe, là. Comme son RP est très, très, très énervé, il a juste fait ça. Il a lancé à Bolinko. Premier degré, il a pris premier degré, il a lancé à Bolinko. Après lui, il a fait un ticket, je ne sais même pas parce qu'il était même pas là, je comprends pas. Et après, ok, la scène s'est terminée ici, ils ont pas fait le ticket. C'est une fois qu'on est revenu, qu'ils ont continué à reparler mal, qu'au bout d'un moment, on relance un sang. Je sais pas Vas-y, du coup, quelle année Goutam, ou je sais pas, en compte au perso, il est quelle année. Mais même, dans ce cas, quatrième année, ou je suis en troisième. Les mains, on va déguster. Ah ok, je peux... Je peux parler maintenant. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, sa défense pour moi elle est nulle, hein, elle est caduque. Parce que déjà, ouais, mon perso il est comme ça, nanana, tout de suite. Enfin, c'est anti-RP quoi, ça veut dire que lui il peut mitrailler tout le monde sans aucun problème. Ensuite, ils sont arrivés, ok, je les ai un petit peu taquinés, mais on est dans du RP donc il est censé me répondre en RP, n'est-ce pas? On n'est pas là pour que le jeu se transforme en jeter des sorts à tout va. Et puis je sais pas pourquoi lui il prend mal, en plus il parle d'une demi-heure, c'est pas vrai, ça a duré 10 minutes. Ils sont venus, ils m'ont jeté des sorts, je reparle avec la fille. Attends, je parle avec la fille, ils reviennent encore une fois à l'attaque, ils reviennent à la charge, ils se reprennent des remacres et ils rejettent des sorts. Donc c'est quoi, c'est du RP ça ou c'est juste on s'amuse, oh, on est sur GTA quoi. Pour le resub, j'ai pas vu les toes, désolé. Enfin, je suis désolé, à ce moment-là, je dis que moi, c'est mon nous père. Qui sommes revenus à la charge. Oui, c'est ton copain qui est revenu à la charge. On est revenu et on t'a regardé et on t'a insulté. On est passé dans le couloir, t'as commencé à dire ouais, dégage de là. Oui, je confirme, vous êtes revenu à la charge, les gars. Je confirme, j'étais là. Et même si je t'avais dit ça, pourquoi tu peux pas te répondre en RP? Pourquoi t'es obligé de sortir ta petite baguette à chaque fois? Toi, parce que le premier sort que tu m'as acheté, t'as pas dit un mot, t'as acheté le sort direct, hein. T'as même pas essayé d'RP, tu jettes des sorts directs. C'est ridicule. Tu ruines le game à tout le monde, en fait, là. Tu peux t'en rendre compte de mais ça déjà, ou pas? Tu ruines les scènes. Est-ce qu'on se connaît? Y a pas de mais scène. J'en ai rien à... On peut même pas non, parler. Non, avec des gens comme calme toi, Garcia, on a trouvé une solution. Ah, des gens comme moi. Qu'est-ce qu'il y a? On c'est va pas s'énerver. Des gens comme moi, ça veut dire quoi? C'est mon Attends, teint qui passe pas. C'est ton teint. De quoi c'est ton teint? Mais quoi? Mais ton teint non, de ton okay, père. Non, je vois le genre. Non, mon teint IRL, parce que je crois qu'on s'est déjà parlé, toi et moi, sur Discord. T'as déjà eu des propos un mais peu louches, et j'ai l'impression que... Pas. Je sais même pas qui peut-être qu'il a eu un autre perso, on sait oui, pas, mais... Bien sûr. Mais c'est pas ça, mais t'as pas évoqué son teint, t'as pas évoqué... Par contre, tu vas pas m'insulter de raciste ou de je sais pas quoi, tu te prends pour qui toi? T'as cru que j'étais qui moi? Et toi tu te prends pour qui à dire des gens comme moi toi? De quoi, tu prends pour qui toi? De quoi ton teint? Mais pour qui tu quoi, prends toi? De quoi je t'ai parlé? C'est bon, non, c'est bon, c'est bon, attends, arrêtez, stop. Non mais attends, c'est bon, il calme. Il est en train de me mettre un coup de pression là, c'est pas normal. Mais quel coup de pression? Bah il avance vers moi. C'est bon, on va en arrêter là, on va terminer sur la sanction. Il avance vers moi en disant tu veux quoi? C'est de l'agression physique, ça, c'est physique.
Non mais attends, il a dit c'est mon teint. T'as pas à te rapprocher de lui comme ça. Moi, je vais pas sur internet pour être en insécurité. Hein. C'est... Là par contre, ça va beaucoup trop loin avec lui. Hein. T'as pas à t'énerver comme ça. Non mais hein, tu vois pas qu'il fout le troll. Oui oui, je troll. Super la réponse. Super la réponse. Il a dit je l'ai agressé. Je l'ai agressé physiquement. Ok, c'est bon. Du coup, là, le ticket, il est trop long. Du coup, on va directement passer au niveau de la sanction. On va éviter d'aller trop loin. Joe, du coup, j'ai regardé au niveau de tes warns, tout ça. T'as jamais eu de warn pour free spell. T'as juste eu un avertissement oral, du coup, par rapport à ça. Donc, il n'y a pas le ban qui part. Il y a juste un warn, c'est tout. Donc, ne t'en fais pas. Crois pas que tu vas être ban. Voilà, je tiens Même si je me serais fait ban, mais il m'insulte de racisme. Mm-hmm. Genre, il y a zéro problème. Il quoi. A pas insulté, hein. Je t'ai pas insulté déjà. Et je t'ai jamais dit racisme. J'ai dit, c'est quoi le problème? C'est mon teint. Bah, c'est une question, c'est pas une accusation. Toi qui es algérien, bah je joue plus avec toi. Vu que t'es algérien, je joue plus avec toi. Non, non, mais je suis persuadé que c'est ça, parce que c'est pas la première fois qu'il me fait des remarques, mais bon. Mais je ne te connais même pas. Oui, c'est pas que t'es des problèmes, mais oui, les gens les accents, ça te regarde pas, c'est pas grave, c'est ton personnage, gros. Mais mec, mais d'où c'est, j'ai parlé ça, mais mon meilleur pote, il est algérien. Il y a de tout sur la planète, hein. Il y a de tout sur la planète, hein. C'est mon meilleur pote. Il justifie comme quoi il a un ami algérien, c'est classique. Ok, ouais, j'ai un pote algérien, on connaît la fin, tiens. Aïta, il fout le troll par pitié, s'il te plaît. Oui, on troll, bien sûr. Je vais t'expliquer un truc, gros, allez. Bon, il faut qu'on avance. Mais à aucun moment, j'ai parlé de son accent, mais à quel moment j'ai parlé de son accent? Non, je parle de ton personnage. Dis-moi à quel moment j'ai parlé de ton accent. Peut-être que t'es un peu aigri par rapport à ça, c'est tout. Mais c'est bon, on va aller d'aller plus loin, stop, c'est bon. Bah, on a compris, merci. Non. Aïta, il commence à me parler que je parle d'accent ou de je sais pas quoi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, qu'il soit accent. Non, mais ta réaction disproportionnée, ça. Mais si ça n'a rien à voir, tant mieux. Est-ce que vous savez que genre... Oh là là... Vous savez qu'on est genre tous des êtres humains au bout d'un moment ou pas? Non, mais dès qu'il y a un problème avec ses actions ou pas. Merci, Aïta. Exactement, merci, Aïta. Mais Julio, mais c'était malade. Mais c'est abusé. Non mais les gars, mais les gars, moi j'ai même pas envie que je veux que ça avance, hein, les gars, qu'on avance et qu'on aille jouer après derrière. Bon, du coup, on va en arrêter là. Non, c'est bon, on va en arrêter là. Je vais fermer le ticket. On va tous récupérer nos petites scènes RP parce que là, on est juste en train de perdre du temps. On va s'éviter en RP et puis voilà. En RP, vous évitez de traîner ensemble, un point c'est tout. Et puis voilà, vous faites votre vie, chacun de votre côté. Merci. Il était bien géré le ticket. Du coup, je vous souhaite à vous quatre un bon jeu. Bon courage, Aïta. Oh, bah alors. Hein, ah, voilà, ça, on va te tenir de la main. J'ai eu le temps de me faire 4 cafés pendant que vous preniez une fessée. Oh, ouais, excuse-nous, on a eu des petits problèmes. Non, c'est pas problème, c'est des choses qui arrivent. Bon, vous excusez allez, pas, bien. Les mecs. Avec allez, plaisir, bien, beauté. Vous excusez pas. Oh. Aïe. Dis donc. T'as vu comment elle a des grandes jambes? Ah, t'as des jambes, hein? Vraiment, waouh, c'est les flamands, ça, Rose.